Bonsoir à tous, Romain. On est vendredi soir au Japon. La journée a été scindée en deux parties, je dirais. La partie matin avec une piste sèche, quelques gouttes de pluie, mais une piste sèche dans l'ensemble. La voiture a bien réagi. On a fait des bons changements, je pense, depuis la Malaisie. Donc j'étais plutôt content avec la balance. Il y a encore des choses qu'il faut qu'on améliore d'une manière générale, mais dans l'ensemble, la voiture fonctionnait bien. Sur la fin de séance, on a pris un petit peu de pluie qui nous a empêché de finir le long relais comme on l'aurait voulu. Mais dans l'ensemble, alors, je pense que la voiture, je la sentais bien. Donc là, on va régler avec les ingénieurs, on va travailler sur les derniers petits détails, histoire d'être sûr que pour demain, on a une très très bonne voiture pour la qualification, qui est extrêmement importante à Suzuka. L'après-midi, malheureusement, on n'a pas pu rouler. Il a plu énormément et vraiment, les conditions n'étaient pas représentatives de ce qu'on va avoir sur le reste du week-end. Donc on a préféré rester dans le garage. C'est dommage et c'est jamais plaisant pour les fans qui sont là, pour les mécanos, pour nous les pilotes. Mais on avait pas vraiment le choix. Demain, la météo, encore une fois, pour le moment, ça annonce un petit peu de pluie sur les essais 3 et une calife sèche. Idéalement, j'aimerais bien qu'on aille toute la journée sèche, puisque Suzuka, c'est tellement de plaisir de rouler avec les Formule 1. La nouvelle génération, on a tellement d'appui aérodynamique, on sent tellement la voiture vivre dans toute cette première partie de circuit, les S, que voilà, c'est du pur plaisir et vraiment, j'espère qu'on aura pas mal de roulage encore sur le sec et surtout ça nous permettrait d'affiner les derniers petits changements pour préparer la qualification au mieux et ensuite essayer d'avoir une bonne course. Donc j'espère que demain soir je vous reparle et qu'on aura une belle qualif.